Salut les amis, c'est Skadoki, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je dis toujours ça, mais pour le coup là c'est vrai. On va être effectivement sur F1 23 comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc effectivement j'avais déjà fait une vidéo de lancement sur Twitch. Malheureusement elle a été un peu délicat. J'avais pas le son du micro. Et le son du micro est là. Je vous m'entendiez peut-être pas forcément même encore là. En tout cas, toujours est-il que voilà, on est sur F123. La vidéo sur Twitch a mal fonctionné. L'objectif c'était quand même de vous montrer le début du jeu et ça n'a pas fonctionné comme je l'entends. Bon, c'est pas grave, on va faire différemment. On va aller directement s'entraîner. Du coup, j'avais lancé une carrière avec mon écurie. Donc on avait fait une séance d'essai libre sur Bahreïn, donc on va faire la deuxième séance d'essai libre. Je pense qu'à la fin je vais vous mettre en condensé la première vidéo que j'avais fait sur Twitch, vraiment très 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 condensé, pour que vous puissiez voir un peu quelques images. Alors le premier ressenti que j'ai eu, c'est que c'est plutôt pas mal. J'aime bien, c'est pas mal, le ressenti est bon. On sent que la voiture dérive vraiment de l'arrière. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Après, derrière, ça reste du F1. Il disait que les... Le volant est très très dur. En fait, on arrive à bien bloquer les roues. Et donc là, en fait, bon, on va faire un premier temps, effectivement. Donc effectivement, faut vraiment taper les freins et faire un freinage dégressif. Et vous voyez, sur les réaccélérations, en fait, l'arrière joue beaucoup. Après, si on a une voiture qui n'est pas non plus faite pour... Enfin, pour jouer Elle n'est pas bien équilibrée, hein. Ça reste une voiture My Team, donc on est plutôt en bas de tableau. Hein. Et donc effectivement, le blocage de roue fait que on file vraiment à l'avant. Vous voyez là, pas mal de... Par contre ça offre quand même de belles sensations au volant. J'aime assez. Les sensations que je peux avoir au volant sont vraiment très bonnes. Vous voyez, on le sent. Alors, je le sens pas encore dans les pédales. Les pédales sont pas adaptées. Et 11e temps, mais bon, après on n'a pas été très bon, donc on va essayer d'améliorer. Vous voyez, on sent à l'avant que ça... On voit à l'écran que ça vibre. Par contre, je l'ai pas dans la pédale, donc... Quand on sort des trajectoires aussi, les pneus sont difficiles à mettre en tempête. Vous voyez là, si je loupe le point de freinage,
voyez là, je sors tout de suite. Faut pas hésiter à attaquer en fait, hein. Et comment je me bats avec le vent. Oups. Bon bah j'irai pas chez Alpine l'année prochaine. Hein. Il est un peu. Donc ouais, le ressenti est pas mal. Ah, là on est sur le replay. On va retourner au garage. Non, j'aime bien le jeu et c'est sympa. Il y a quelques. Et vous voyez, graphiquement, il est pas moche. Un peu plus beau que le F22, je trouve un peu plus. Un poil plus détaillé dans les. Dans les textures. Les jeux de lumière aussi sont un poil plus détaillés. Alors on va essayer d'aller voir. Parce qu'on a fait reconnaissance du circuit, gestion des pneus, stratégie de course, on va peut-être. Ah. Ah, t'es mignon. Faut pas lancer. Allez. Donc voilà, on est reparti. J'ai pas entendu ce que m'a dit l'ingénieur parce que le son était pas bon, donc ça on va pas le rectifier. Là, c'est vrai qu'il faut du coup rester dans la fenêtre.
sur une bonne mesure du pneu. Fait le meilleur tour et ça c'est parce que je pense que j'ai mal géré la difficulté à... Par contre le force feedback est pas mal alors qu'il n'y a pas de réglage. Donc vous entendez peut-être un bruit, c'est le ventilo parce qu'il fait très chaud. Et puis là avec le simulateur il fait encore plus chaud. Ah, ce qui est pas mal, c'est pas mal, on voit un peu nos... Ok, bon j'ai fait le meilleur tour. Hein. Pour Sharon 40, hein, non. Après, ce serait la logique de... Équilibré, ok. Ok, boost de développement, donc ça c'est bien. Hop, on accélère le temps parce qu'il reste plus trop. On va aller du coup. Hein. Ah, ça c'est pas mal du coup. En fait, en fonction, vous gagnez un peu d'expérience. C'est plutôt sympa. Et donc, essai libre 2, on a fait. Donc, essai libre 3. Allez. Le ressenti est plutôt pas mal. Moi, j'aime assez. Après, on va peut-être un petit peu paramètres audio, voilà. Ok. Quelques tours de piste comme ça. Je suis en pneu quoi? Je suis dans les pneus les plus durs, j'ai l'impression. Allez, plus soft. Un peu, on sent qu'il y a pas mal de grippe avec cette pneu. Les autres, il n'y a pas trop de grippe. Hein.
Ils ont du grip, hein, c'est. Allez, le tour de mise en chauffe est pas mal. Dès que vous mettez une roue dans l'herbe, enfin dans les marbles, hein, hors trajectoire, c'est. Vous le ressentez. Hein. Quelques réparations à faire. Bon, en tout cas, voilà, c'est un premier test. C'est plutôt pas mal. Je vais vous remettre en fait tout le début là qui était plutôt sympa. Franchement, c'est quand même très sympa. J'aime bien, moi, c'est. C'est plutôt pas mal. Le jeu est plutôt très sympa, donc à voir maintenant ce que ça va donner en vrai. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur la chaîne, les amis. Ciao, ciao.
Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fast.